Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur Imperator Rome et il va être temps de lancer notre deuxième grande merveille tout aussi indispensable. Alors on va aller se préparer pour la voir. Hop ici. Nous allons choisir de prendre... Bof, c'est où? Gouvernement. Bon, on va prendre ici évolution mensuelle de... Non, on va pas prendre ça, on va prendre culture en développement, vitesse de conversion plus 10, plus 30 et plus 30 pour l'assimilation. Donc ça, c'est très bon. On viendra ici chercher tradition de conquête, conséquence de l'expansion agressive, moins 15%. Alors c'est faux, hein, c'est expansion agressive, moins 15%. Et coût en score de guerre, moins 7,5%, ce qui fait que du coup, on prendra plus de provinces, du coup on fera autant d'expansion agressive. Ou presque. Et la dernière qu'on va aller chercher, c'est l'avatar glorieux. Je ne sais pas où il est. Dirigeant honoré, ça doit être ça. Voilà, satisfaction des cultures intégrées et gain de popularité mensuelle du dirigeant, plus 0,15. Voilà, alors on a le satisfaction à plus 20. Ça va vraiment aider à avoir plus de levées, plus de tout. Vraiment plus de tout. Voilà, et ça nous permettra de vivre avec une stabilité un peu plus basse et d'être quand même capé. Que les gens se rebellent pas du tout, etc. D'autant plus que, comme on le voit, hein, culturellement, 6500, hein, ça va très 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 vite maintenant les conversions. On va quand même regarder un petit coup le ledger. Alors, nous sommes à 16 000 de population, 6400 pour la Moria, et 3 500, bon, voilà, pour Rome et Carthage. L'Arménie était un des gros pays, au final. Hein. Tchéra, Kouch, Bactriane, parti, voilà. Et les Arvernes, qui commencent petit à petit. Donc, nous, on va se préparer à aller attaquer Rome. On a besoin que ça baisse un tout petit peu quand même avant, parce que sinon ça va piquer. Et on va utiliser ici hop, le sacrifice pour remonter. J'aimerais bien en faire plus, mais vous le savez, on veut créer bientôt une grande merveille. Donc il faut économiser maintenant notre argent. Et du coup, comme ma grande merveille elle est pressée, je garde mon fric. Et je ferai des trempes plus tard un jour, si j'ai envie. Ici, par contre, on veut continuer à optimiser cette ville. Donc là, il n'est pas question de se laisser démonter. Encore un port. On peut en mettre 9. Attrait pour les migrants, vitesse de migration des peuples. Voilà, 1. On va mettre 2 ici pour l'instant. Et puis un petit aqueduc. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Rien du tout. Il y a Pidna. Rien du tout. Et ici. Rien du tout. On va clairement pas payer. Je voudrais regarder ici. On a quoi ici? Qu'est-ce qu'on produit? Des olives. Et ici, du verre. Ici, des moutons. Et ici des céréales. Déjà, pourquoi tu me dis que j'ai 1 sur 1? Oh mince! On achète ce cochon steak là. Le truc c'est que. Bon, on va le garder. On va pas le détruire. Ce serait pas beau.
ici des chevaux. On manque de nourriture quand même, hein. On n'a pas les sous, mais comme ça on va pouvoir remonter ici, parce que sinon ben ça va aller mal, ça va aller très mal. C'est bien beau de voir monter la population, on va aussi devoir importer beaucoup 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 d'or mensuel local, plus 10%. On va devoir en importer beaucoup 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 du blé. Pas grave. Allez, est-ce que lui je peux l'embaucher maintenant? Oui, ça y est. Alors là, pour le coup. Je voudrais qu'il aille au bateau. Où est ton bateau? Il est là. Voilà, ici. Là, on est en train de se replier. On peut encore importer quelque chose ici. On va commencer par des céréales. Voilà, plus 15% de denrées locales. Moins 7,37, on va passer à... Moins 2,67, eh ben oui. Ça va tout de suite mieux. Bien. Toi, est-ce que t'as fini? Oui, t'as fini de faire le clone. Là. Parfait. Là, je pense qu'on va gagner. Tu vas où toi? On la charide. Non, tu vas à Et ben moi aussi. Eh ben. Le Nauticon. Alors le Nauticon c'est pareil, je voudrais le faire progresser. Gardez qu'au niveau des flottes, j'étais pas très très loin des autres, donc... Hop là. Ça y est, ça c'est réglé. Alors, pour notre prochaine merveille, on va avoir besoin du rerum repartitio. Tradition de conquête. Et de l'avatar glorieux. Ici. Il faudra aussi aller chercher prochainement les cohortes pour pouvoir faire des légions un peu partout. Et baisser notre perte de lassitude de guerre. Mensuel. Là, je pense qu'on est bien. Alors, qui veut
Apamène. D'accord. Alors ça c'est tout à fait normal, on a arrêté d'accepter cette culture. Donc ici ça s'énerve un peu. On place par loyauté. 6 sur 6, on prend. Donc on va tenter de monter. Non. Non. Ben non. On va tenter d'augmenter notre... Parce que Rome, comment te dire? Fabriquer une rotation sur le Latium. Oh que oui. Et Carthage, fabriquer une revendication sur Bizacène. Alors non, on va pas y aller tout de suite parce que... Voilà, on y va maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ils vont être épuisés rapidement. Ils sont laissés épuiser. On fait des routes de partout. Bon. J'ai encore beaucoup, 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 beaucoup de trucs à changer. Et ça, et celui-là, j'aimerais bien le changer aussi pour Héraclès. Pour avoir une satisfaction des cultures non intégrées en late game, ça va être plus utile que les intégrées qu'on va réussir à monter à 100%. Les non intégrés, si on pouvait les aider à se rebeller moins vite, parce que même s'ils sont très bas en satisfaction, un tout petit bonus de quelques pourcents permettrait d'améliorer très très rapidement les provinces et qu'elles descendent puis remontent sans même passer par la case je suis déloyal. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on améliore les non intégrés, mais aussi les citoyens, les hommes libres, les machins, tout ce qu'on peut améliorer comme ça au niveau de la satisfaction. Et notamment, on fera une grande merveille qui va améliorer la satisfaction des hommes libres, des citoyens et des tribaux. Voilà. De 10% au maximum. Ça sera l'une des prochaines. Bah, ils ont disparu après avoir détruit notre civilisation. Les violents. Les Morians étaient en guerre civile. On les a battus pendant une guerre civile. Waouh, qu'est-ce qu'on est fort. J'aurais pas cru être aussi fort. Bien. On va rester là. Ça. On va transporter les deux. J'aimerais bien un mercenaire un peu plus fort. Pour l'instant, je garde des mercenaires pour faire mes guerres. Ouh. Hop là, quelqu'un de pas content ici. Encore. Voilà, de toute façon, là, il va disparaître rapidement. On n'aura pas le temps de faire quoi que ce soit avec. Ici, les provinces déloyales. On voit qu'on est relativement stable, hein. Le plus 0,07, on l'attend avec impatience quand même, hein. Vraiment, vraiment. Là, on voit qu'il y a Clatic là qui prendrait. C'est exact. On en est où là? Ça baisse encore, mais ça va pas tarder à remonter.
Alors, plus qu'un point de recherche et on pourra valider la merveille. On n'aura clairement pas les sous et peut-être pas l'influence politique non plus. Sûrement pas les sous en tout cas. Thèse de construction des navires, éléphants, chameaux, les disciplines, ça m'intéresse pas. Est-ce que c'est en gris parce que j'ai déjà le bonus? Non. C'est en gris parce que c'est gris. Satisfaction des hommes libres. Réputation diplomatique plus 3. Allez, ça va nous faire le plus grand bien. Ça va encore nous faire baisser l'expansion agressive là. Alors ici, j'aimerais la changer elle. Il faudrait 200. Ce sera pas pour tout de suite, on va attendre un peu. Eh oui, Antigone, eh oui, mais c'est un Zeus. Hop là. Je vais attendre d'être sûr d'avoir fini. Très bien. Où est-ce que ça pète maintenant? En Coélie-Syrie. Mince, c'est juste à côté. On va plus les garder. C'est vraiment juste à côté. Allez, quelqu'un de la famille, s'il vous plaît. Un Antigonide. Bon allez. Quand faut y aller, faut y aller. Levé. Mobiliser toutes les levées. Donc ici, on en a 3 qui vont se réunir là. Là, on a 3. Plus 2. Plus 4. Ici, bien sûr, les 12. On va venir ici avec les 27. Les 10 aussi. Encore les 10. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bah, du coup, on peut les taper sur celui-là. Hein. Ça va nous occuper. Ça, c'est des levées. On va se réunir ici. Au milieu. Là, on a quoi? On a beaucoup de levées. On va venir ici. C'est un loupé, ça aurait pu faire partie de la Légion. Pas grave. L'idée, c'est qu'il faut tout amener à Rome, hein. Ici, là.
Ok. Ici. Voilà, récupérer tout ça. Descendre en dessous de 100, ça m'embêterait quand même. Là, il me faut mon avatar glorieux, s'il vous plaît. Et il me faut aussi encore 13 000, j'imagine. Pour lancer une autre pyramide en or. Après, il y a un achievement qui consiste à faire une tour, je crois. Ou deux tours. Une Homeboy ici. Et une autre à Alexandrie. Donc faudrait démolir le phare pour ça. On verra plus tard. Invitons-le. Il n'y a vraiment pas que ça à faire, moi. C'est les mercenaires, eux? Ouais. On en est où, là? Ok, on fait des petits groupes. Voilà. Parfait. On a des casus belli. Toi, tu vas aller là-bas. Avec lui. Mais on a groupé. Là, la levée de Syrie. Voilà. Bien sûr, vous pouvez passer. Barbare là-bas. Ici. On a gagné déjà. Là, on peut les virer. Maintenant, on va pouvoir aussi se préparer à la prochaine. C'est qui la prochaine? Donc 40 mois, on va rien faire, on va rien se préparer du tout. Là, on a du monde. Là aussi, on a du monde. Toi t'es déloyal. Ah, sincèrement. C'est pas très mignon d'être déloyal. Là c'est un taxi qui a fini de faire le taxi. Bah tu vas pouvoir aller ici je pense. On va travailler dans ce coin là.
Et oui, mais les légions servent à faire des routes pour l'instant et pas à faire la guerre. Bah, c'est comme ça pour l'instant. Pas le choix. Trente-deux mille, bah bravo, on a le temps. Bah déplace-toi, hein. Tu vas pas rester là. Viens à Samos. Si on prend notre temps pour préparer ça, même si là ça monte. On prend clairement notre temps, on veut vraiment défoncer Rome très très vite, prendre un maximum, mais avant qu'il nous roule dessus, parce qu'on s'est toujours roulé dessus au final. Pas grave, tant qu'on gagne. Tomber le masque! Non? Ah non? Ah bah maintenant on a le choix! On a le choix, mais on perd de la stabilité à chaque fois. C'est super d'avoir le choix, finalement, je préfère avant. Au moins, j'avais pas le choix. Comme si on allait pouvoir payer autant. Voilà. À la vitesse où tu vas. L'homme du peuple, oh que oui. J'aime beaucoup ça. Avec un peu de chance, on va pouvoir diviniser. Voilà, 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 mon avatar glorieux, il est là. Zou, ça y est. Je peux officiellement faire bientôt. J'ai ce qu'il faut, j'ai les points ici. J'ai pas les sous ici. Après, je vais peut-être la faire moins cher. On va voir, c'est pas sûr. Hein. C'est deux trucs qui sont vraiment primordiaux. Trente-trois, ça va encore. T'as fini, toi? T'aurais pas oublié de faire des routes quelque part? T'as fait tout ton parcours, mais t'as un peu oublié les routes. Voilà. On va faire la caillie. Ici on a quoi? 19. Hein. Du marbre. Et du miel. Mais d'abord le miel. Regardez, 0,37. 0,39. Eh bah oui. Eh bah oui. Ça aide. Guerre civile, ça aide pas. Voilà. 92.
8, 7, 7, 7, 7, 10, 7. Mince, y a pas de port ici. Pas grave. On va se mettre là. Et on y va. Ici. 15 000, 30 000, 50 000, 51, ici. Le reste avec ça. Coucou les Romains, c'est nous, t'es nous couvre là. Affranchissement, liberté! Je t'en prie, affranchis-toi. Antigone, ils s'appellent tous Antigone de toute façon, les gamins. Ok, et on vient chercher les derniers ou presque les derniers ici. A priori, on pourra les transporter. Toi, des routes. Correct. On est où là? 57. 89, c'est trop. Alors plus le 18. Ça fait 34. 45. Voilà. Est-ce que t'as fini toi? Toujours pas arrivé. Faut que je fasse un canal là. Mais si, je me permets d'insister. Armée déloyale. Bon bah, qu'il reste donc déloyal celui-ci. Le trésor. Ou alors, on gagne un peu de tyrannie, on gagne des sous. Ça me paraît bien. Mieux quand même qu'on arrive à rentabiliser notre tyrannie. Prendre 4 mois, c'est loin. Allez. On n'a plus qu'à venir tout débarquer ici. Et on sera prêt pour une belle grosse guerre contre Rome avec à la clé un pétage de plomb d'expansion agressive, clairement. On va déjà le faire tout de suite de toute façon. Pour remonter notre stabilité.
D'essayer de la remonter vite, faire baisser l'expansion agressive vite. Pour partir de plus haut là. Alors on arrive. Les routes ça va. Ouais bah lui il peut pas. Cité gréco-perse. Bah non. Mon influence j'y tiens. Elle me sert plus que beaucoup. Donc on va attaquer Rome, Carthage. Dans le but d'obtenir 500 pop, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais on va essayer d'obtenir 500 pop de chaque. Et quand on aura fini, on retournera mettre un petit coup sur l'Arménie et Moria. Il va falloir remonter sur Moria, il faudra refaire une guerre là, on est un peu plus puissant qu'avant. Ça va se passer mieux. Au niveau de la technologie, on est à 175 quasiment. Mais pas tout à fait, c'est bien. C'est-à-dire que ça urge pas d'aller chercher les 25 de plus. Et comme on peut le voir, la culture par contre, voilà. On gagne quasiment entre chaque épisode 500 pop convertir. Il n'y a plus qu'à les rendre heureux à 100%. Et ça sera gagné. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite.